Donc, il m'est arrivé souvent là, de remplir des demandes pour le programme de soutien financier pour les patients atteints d'ataxie. En fait, dès le départ, j'ai été très, très enthousiaste face à ce programme-là qui répond clairement à un besoin parce que, et puis c'est à plusieurs niveaux parce que notre système ne peut pas répondre à tout, puis ça permet de combler certaines lacunes du système, puis particulièrement dans l'équipement, notamment l'équipement pour faire de l'exercice. On s'entend que quand tu prends des stents privés, c'est cher. Que tu fais le bel fond, mais que souvent, avec l'aide de Taxi Canada, mais ça permet de grossir. Je lisais sur la fondation. Ben là, j'ai vu que je pourrais peut-être faire une demande puis avoir de l'aide. Parce que mon but, c'était d'avoir un vélo. Ben, c'était très dispendieux, c'est ça. Bien que on n'ait pas nécessairement un traitement qui modifie l'évolution, un de nos grands objectifs, c'est d'une part maximiser la qualité de vie, puis un autre, c'est ce qu'on appelle maximiser la participation sociale, c'est-à-dire de trouver des façons de permettre aux gens qui ont une atteinte physique qui les empêche de faire une activité, de permettre d'y participer à cette activité-là. Ça m'a permis de faire de l'équitation thérapeutique. Ils m'ont permis de découvrir, d'avoir la beauté puis d'en faire. Ça m'a permis de faire de la physio aujourd'hui, toute l'année payée. Ça a comme changé ma vie à cause que le taxi en dos, ils m'ont payé la moitié du vélo. Puis j'ai fait une levée de fonds. Fait qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui m'ont aidé. Ça a touché beaucoup de monde. Fait que... Le programme joue un rôle très, très important puis a fait une nette différence pour certaines personnes. Leur a donné accès à des équipements auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. Puis c'est clair que l'activité, c'est quelque chose que j'encourage chez tous les patients, mais c'est clair que j'encourage les gens à demeurer le plus actif possible.